à trouver, pour respecter la tradition, trouver un artisan capable de lui fournir du crâne cheval. Mais pour faire quoi dans la brasserie? Dans la charpente? Non. Pour nettoyer les casseroles. Oui. Pour nettoyer les casseroles. Pour nettoyer les casseroles. Avec le crâne de jument. Non, de cheval. Oh là là. Parce que le crâne jument, on ne peut pas la queue des juments comme elles font pipi dessus, c'est pas propre. Non, le crâne. Les gars, on ne demande pas ça. Là, il y a la tête de merde. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce n'est ni culinaire, ni pour nettoyer. C'est pour décorer. C'est décoratif. Même si ça, alors on va dire involontairement ou indirectement nettoyer un peu, mais ce n'était pas le but. Est-ce que c'est pour faire joli dans la brasserie? Ah, je sais, ça enlève des souris. Non plus. On l'accroche quelque part? Non. Les puces? Alors, bien sûr, c'était accroché quelque part. Est-ce qu'on le voit quand on est client et quand on va à la brasserie? Absolument. Est-ce que c'est posé quelque part pour t'en servir pour faire autre chose? Une offre comme ça, même chez la paire.
cueilleur. Thank you.
pointe.
BD. Portagnère. Et qui a été
900, 35 centimes. Bonne chance à vous pour le tirage au sort tout à l'heure. Une question pour M. Van Capitapi dans l'Oise. Et cette question nous permet de nous consacrer un papier du Figaro, une page entière où on nous explique que, par exemple, Lisa Villard, mais elle n'est pas la seule, c'est le cas aussi de Dorian Pain, ont un rêve de femme, un rêve de femme. Et oui. Et oui. Puisque et oui. Thank you.
prix de F1. On explique bien quand on explique comme ça. C'est exactement ça. Si vous voulez, la masse des hommes qui démarrent le sport automobile en circuit est très grande en comparaison de la masse des femmes. Et donc, forcément, en haut du ciel, c'est plus difficile de trouver le bon numéro. En tout cas, vous avez remporté 4 rallyes en mondial, 4 en championnat d'Europe. Vous avez été une grande pilote dont on se souvient évidemment très très bien, particulièrement dans les années 70 et 80. Merci, Madame Michèle Quinton, d'avoir répondu à nos questions. Thank you.
bronzé. Je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. C'est pour ça que je suis patiente et que je continue. Est-ce que c'est un accessoire? Ah oui, on peut considérer que c'est un accessoire dont le prix est assez cher. Il peut varier en fonction des endroits du monde, entre 69 et 200 euros, vous voyez. Est-ce que c'est joli? Ah, joli. En tout cas, c'est différent. Alors écoutez, vous me le direz si vous en avez un. C'est un nom. Je n'ose pas vous répondre, Isabelle. C'est un merde. Ça s'accroche sur le corps. C'est un nom qu'on accroche au corps. Ah, est-ce que c'est un rabbit? C'est le fameux truc sexuel, là. C'est le vibromasseur qui bouge comme mais ça. Mais il a un nom très précis. C'est le womanizer. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors, comment tu sais ça, toi? Pour tout vous dire, je l'ai offert à ma meilleure amie, qui n'avait pas de mec depuis 5 ans. Et elle a pris un chien depuis. Et elle m'a dit, maintenant, je suis la plus heureuse. J'ai le sexe, j'ai l'amour avec le chien, je n'ai plus besoin de personne d'autre. Alors, c'est tout pour les clitoris. Oui, exactement. Ah, ça fait tout. Le womanizer, fête ses 10 ans, a été inventé par un couple bavarois, Michael. Je ne savais pas. C'est très excitant comme information. Attention, je mets en vitesse rapide. Fais au revoir, Brigitte. Aujourd'hui, il y a plusieurs vitesses. Mais y a, je sais, tu vibres, tu te remues plus ou moins et ça aspire. Mais au départ. Ça aspire. On n'est pas obligé de faire des gestes. Au départ, Brigitte raconte, elle est interviewée par le Nouvel Obs, elle raconte qu'au départ, évidemment, son mari a testé son invention sur elle. Il y a un gros trou. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait, qu'une seule vitesse. Ça dépend assez rapide. Non, justement, c'est pas trop vite. Il n'y avait qu'une seule vitesse à pleine puissance, et c'était insoutenable, dit-elle. Ben oui, il repassait par derrière. Non, mais il paraît, ma meilleure amie m'a expliqué que ça bouge et ça aspire un peu. Il y a plusieurs niveaux, ça ne touche pas d'ailleurs. Non, ça ne touche pas le clitoris. C'est d'ailleurs ça qui fait le succès du womanizer, parce que c'est considéré comme un accessoire, comment je dirais... De bien-être. Voilà, de bien-être. C'est quand même un truc de cul. Il y a 10 ans que ça a été inventé, et le fait qu'il stimule le clitoris sans le toucher, crée une pratique plus acceptable pour les femmes. Qu'est-ce qu'il fait, l'orgasme? Il dit, allez, bouge. Je suis là, on est avec toi. Mais non, ce sont les vies... Non, ce sont les vibrations qui, sans le toucher, voilà, qui font que. Mais la bouille quelque part. Oui, mais pas dessus directement. Et parce que les clitoris, ce n'est pas ce qu'on voit, il est énervé à la fin. J'en ai trouvé l'année dernière. Les gens dans les chambres d'hôtes, ils oublient toujours des trucs. Ah. Ça m'a gêné et je ne comprends pas quel est l'intérêt dans un couple. Moi, tu l'as dit. Si, il y a un monsieur. J'étais très ennuyé, je l'ai mis dans la poubelle. Et je me suis même dit, mon Dieu, c'est dans la poubelle, ils pensent que c'est pour que je fais ça. Et alors, très, très gêné. C'est ce qu'on appelle un jouet sexuel. Oui, les femmes, il y a quelques années, contrairement aux hommes qui l'avouaient plutôt facilement, il y a 30 ans, moi je vous dis l'article du Nouvel Obs, il y a 30 ans, seuls 42% des femmes déclaraient se masturber. Aujourd'hui, elles sont 82% voilà, à l'avouer. On assume. Voilà. Alors les filles. Et 82%, ça veut dire quand même... Oui, mais ça, du monde, là, vous êtes 4, ça veut dire qu'il y en a forcément une parmi les 4. Alors, qui ne le fait pas? Regardez la tête de Marcel. Non, mais moi, je comprends pas comment on ne peut pas se masturber. Enfin, c'est normal, non? Moi, personnellement, j'en parle pas à la radio. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très probable... Moi, je trouve ça quand même très étonnant d'aller en chambre d'hôte en couple avec un appareil comme ça. En tout cas, c'est un best-seller mondial. Ah oui, ils ont fait fortune avec ça. Pour 69 euros. Combien ça coûte? 10 millions d'utilisatrices dans le monde. Ça c'est fait... pas beaucoup, ça. Non, bah, quand même. Ça fait 10 ans que ça existe. C'est un anniversaire pour le womanizer. Et l'objet coûte, oui, c'est vrai que le prix n'a pas été choisi au hasard, j'imagine. Là, oui, il coûte entre 69 et 209 euros pour votre information. Chez Orange Pro, on sait que quand on devient pro... On n'a pas encore toutes les astuces d'un pro. Alors, une bonne astuce, c'est de pouvoir compter sur une bonne connexion fibre, mais sans mettre les comptes dans le rouge. C'est pour ça qu'on vous propose 30% de remise sur l'offre Open Pro Fibre avec Internet fixe et mobile lors de la création de votre entreprise. Orange est là. Réservé aux professionnels en métropole, engagement 24 mois.
seulement 3 mois, il retrouve force, croissance et volume. 100% des utilisateurs sont satisfaits de la cure phytophanaire. En ce moment, offre spéciale de 4 mois, dont 1 mois de cure offerte. Phyto, la puissance végétale. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie sur phyto.com. Test de satisfaction du laboratoire natif sur 78 volontaires, septembre à décembre 2023. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Jeudi, c'est Speedy. Quand vous voulez faire réviser votre véhicule, vous pensez à plusieurs enseignes de réparation automobile de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et parfois, vous oubliez Speedy, alors qu'il y en a forcément un près de chez vous. Sachez juste que Speedy est élu service client de l'année dans la catégorie réparation automobile depuis 10 années consécutives, contrairement à 100% de nos concurrents qui ne l'ont pas été une seule fois en 10 ans. Voilà. Et jusqu'au 20 avril, nous vous offrons 25% de réduction sur la révision constructeur en partenariat avec les lubrifiants Elf. Maintenant chez Speedy. Speedy. Voir conditions sur speedy.fr. Là, vous entendez ? Parce que vous êtes en charge du barbecue. Et le barbecue, c'est sacré. Sauf que là, quand je dis que le salon de jardin Ponca est à 199€ au lieu de 249, soit 50€ de remise, bah là, vous demandez à votre mari de surveiller les saucisses. Le temps d'un petit aller-retour chez le roi Merlin. Notez bien, le salon de jardin Ponca à 199€, c'est jusqu'au 29 avril chez le roi Merlin et sur le roi Merlin.fr. Faire son Michel Morin. Mais que veut dire faire son Michel Morin? C'est une expression qui existe. Oui, oui, oui. Ah bon? Être susceptible. Ah non. Il faut savoir qui est Michel Morin, c'est ça? Bon, alors, pas forcément. Ah, bon, parce que l'expression est plus célèbre que ce que fut Michel Morin. Moi, je ne connaissais pas. Hein. J'avais entendu. Mais Michel Morin, c'était un acteur? Non, c'était pas. C'est quand on essaye d'acheter l'amitié des autres? Non. Mais est-ce que c'est quelque chose de positif quand même quand on dit qu'on fait son Michel Morin? C'est plutôt pas mal de faire c'est bien son Michel Morin. Jouer de la clarinette. Ça veut dire être généreux. Ah non, jouer de la clarinette, c'est faire Christian. Son Christian Morin. C'est une erreur de prénom. Est-ce que ça se fait tout seul ou en public? On peut le faire pour quelqu'un d'autre, son Michel Morin. C'est héroïque. Et c'est même souvent d'ailleurs pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est généreux qu'on fait son Michel Morin. Ah, est-ce que c'est généreux, c'est comme ça. Il y en a ici de qui est susceptible de faire leur Michel Morin. Oh, bah, Christophe Beaugrand, il fait un peu son Michel Morin. Voilà. Ah, il fait plein de choses à la fois. Alors, c'est-à-dire d'être un couteau suisse. Plusieurs casquettes. C'est ça. Plusieurs façons là. Plus précis. Être multitalent. C'est un homme à tout faire, à Michel Morin. Je fais tout. Bonne réponse collective. Une autre question pour Stéphane Casquillot qui habite Cheverny et c'est dans le Loir-Michel. Oui, bon, on s'en fout. Oui. Déjà qu'elle connaissait la route de Montluçon. Aïe, 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 aïe. Le fils de Clovis est mort aux îles Marquises. Oui, le fils. De qui s'agit-il? Jacques Brel. Ah non, c'est un artiste. Un artiste, oui. Un chanteur. Un chanteur. Non, non, un peintre. Un peintre, le douanier. Un peintre, oui. Mais... celui qui faisait les nanana. Gauguin? Non, Gauguin. Paul Gauguin. Bonne réponse de Darry Woodbull, évidemment. Un Clovis Gauguin. Ah, mais en même temps, elle a pas dit prénom, Darry Woodbull. Oui, il n'y a que pour ma bille. Non, parce que Gauguin, on parle souvent de lui sans donner de prénom. Moi je dis Paul Gauguin. Bonne réponse de Bernard Mabille, bravo. Les peintres, il arrive très régulièrement d'ailleurs qu'on les Rembrandt. Quel est le prénom de Rembrandt? Non, vous nous l'avez fait en question il n'y a pas longtemps. Vous auriez dû retenir parce que le prénom de Rembrandt, c'est Rembrandt. Voyez. Ah oui, c'est son nom. Contrairement aux autres, Rembrandt, c'est son prénom. Des petits pièges comme ça de temps. Ah oui, qu'est-ce que vous êtes fort, patron. Mais Paul Gauguin, effectivement, c'est mort.
intéressé à la peinture, je vais vous demander du nom du célèbre peintre dont on connaît tous la célèbre toile, Nighthawks. Cette toile qui représente l'Amérique urbaine au début du XXe siècle. Vous la connaissez tous, cette toile où on voit trois clients autour d'un bar, autour d'un comptoir et un serveur derrière. Mais quel est ce célèbre peintre new-yorkais qui a signé cette toile qu'on connaît tous? Edward Hopper. Bonne réponse de Valérie Mérès et Christophe Beaugrand. Hopper. Tiens, Laurent qui te reprend sur ton anglais, non mais c'est vrai. Non, parce qu'elle confondait, elle confond avec le Whopper qui est le sandwich. Pas du tout. Edward Hopper. Et effectivement, ce tableau représente, symbolise l'Amérique urbaine. On connaît tous, hein, c'est dans la nuit, un bar, on voit quelques personnes au comptoir, un serveur derrière. Et cette célèbre toile s'appelle Nighthawks. Elle date quand même de 1942, hein, c'est pas si moderne que ça, mais ça représente quand même les États-Unis et l'Amérique encore d'aujourd'hui, entre réalisme et symbolisme. Et c'était bien signé Edward. Ouais, je vais à un H d'ailleurs. Edward Hopper. Il est mort en 1967, Edward Hopper. J'accorde quand même la réponse à Valérie Mérès.
tous les peintres, comme ça. Et a gagné beaucoup de monnaie. Ah, oui, c'est pas mal ça. Et sauter quelques bouts d'arbres. Voilà. Bon, écoutez, monsieur Debout va pas tout rester sur la peinture, mais Frida Kahlo, il se trouve en tout cas que c'est bien le titre non seulement de votre album, mais de la chanson d'ailleurs qui ouvre cet album. Pourquoi Frida Kahlo? Pourquoi? Parce que j'ai une amie qui me téléphone un jour et qui me dit je dois aller à Mexico pour aller voir ma belle-mère qui veut revenir en France. Alors je veux pas y aller toute seule, est-ce que tu veux pas m'accompagner? On va rester 10 jours chez elle. Et ça me plaisait parce que j'avais vu un reportage à la télévision où on voyait la cathédrale de Mexico, que je trouvais très belle, avec des musiciens qui jouaient autour de, tu sais, des trompettes mariachi. Enfin, c'est une musique qui me plaisait beaucoup. Et finalement, j'accompagne cette amie. Et puis, sa belle-mère me dit, est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter ma galerie? J'ai une galerie de peinture et je vais vous emmener voir l'hommage que j'ai consacré à Frida Kahlo. On écoute un extrait de cette chanson Frida Kahlo. Toi, Frida Kahlo. J'ai vu l'étoile de Frida Kahlo, je peux vous dire que j'étais non seulement ému, mais c'est d'étoile, c'est tellement fort. Mais c'est vrai que vous faites des biographies en chanson, parce que vous nous parlez aussi dans cet album de Victor. Sur l'album, Victor Hugo ou Frida Kahlo. Parlez-vous aussi un peu de on va dire, alors, des chansons plus autobiographiques pour le coup. Toujours signé Paroles et Musique, Jean-Jacques Debout, sauf la dernière. Oui, sauf la dernière, qui a maintenant une bonne soixantaine d'années, qui était un texte que m'avait donné Roger Dumas quand on habitait ensemble à Nogent-sur-Marne. Et puis, j'ai retrouvé le texte et j'ai pensé que c'était le moment de chanter et de la composer. Il n'est plus là, Roger Dumas, mais avec lui, vous avez effectivement écrit de nombreuses chansons. Capitaine Flamme, c'est avec lui que vous l'avez fait. On a co-signé les paroles tous les deux. De Capitaine Flamme. Arrêtez de dire. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. C'était un acteur formidable, hein, Roger Dumas. Ah oui. Parolier avec vous de nombreuses chansons, et c'est vrai que cette chanson, vous lui devez, ça s'appelle Ne ris pas, c'est la dernière de l'album. C'était sourire tous les deux. D'un regard, on s'est tout dit, tous les deux. Et pour la première fois, ne ris pas, ne ris pas. Toi, tu n'osais plus m'entrer. Absolument. Vous riez toujours. Je ne riais pas forcément tout le temps, mais. surtout quand vous rentriez tard. Oui, ah bah oui. Parce que tout à l'heure, on a évoqué notre ami Pierre Bénichou. On peut quand même dire que vous étiez deux sacrés larrons. Vous êtes beaucoup sortis avec Pierre. Vraiment beaucoup. Chantal a beaucoup attendu. Chantal Goya et Mme Bénichou ont beaucoup attendu tôt le matin. Mais Chantal l'aimait bien parce que lui, il avait vraiment les mots pour la faire rire. Des fois, on disparaissait pendant 2-3 jours. Ah, quand même. Oui. Elle était compréhensible. Pendant ce temps-là, elle avait la fête. Ah oui, c'est ça. Pierre m'expliquait qu'il n'arrivait pas toujours à vous téléphoner. Hein. Pierre n'a pas toujours réussi à joindre les deux. Le nouvel album s'appelle
Frida Kahlo. On peut d'ailleurs le découvrir sur les plateformes musicales, hein, parce que c'est rare maintenant d'avoir un CD comme je l'ai dans la main. Mais on peut écouter les chansons aussi sur Deezer ou Spotify. Il faut quand même rappeler effectivement que Jean-Jacques Debout a eu ses propres succès avant d'écrire pour Chantal Goya. Il y a eu par exemple Les Boutons Dorés. Oh Pour Perpignan. Et en plus, elle ne prend jamais l'avion avec le soulier qui vole. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Ah oui. Jean-Jacques Debout est notre invité. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Dans un instant, Jean-Jacques Debout, vous rencontrerez toutes les personnalités multiples que, évidemment, Marc-Antoine Lebré peut nous présenter. Les grosses têtes. Tu te souviens pour ton anniv, j'avais dit oui. Ben en fait, sinon, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses asperges françaises à croquer pour ce début de printemps. Donc voilà, je préfère te le dire direct. C'est aussi ça l'amitié. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les asperges blanches violettes sont à 7,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Catégorie 1, calibre 16+, origine France. Pourquoi MAF Pro? Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200€ offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. Me voyez-vous? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599€ par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Cheveux avinés, ongles cassés, Phyto présente Phytofaner. Le complément alimentaire à base de zinc, biotine, vitamine et levure de bière pour des cheveux et des ongles en meilleure santé. En seulement 3 mois, ils retrouvent force, croissance et volume. 100% des utilisateurs sont satisfaits de la cure Phytofaner. En ce moment, offre spéciale de 4 mois, dont un mois de cure offert. Phyto, la puissance de la vie. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie sur phyto.com. Test de satisfaction du laboratoire natif sur Phyto.com. Coccinelle. Barquette de 320 grammes, prix baissé à compter du 25 mars 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés à la clé de votre magasin et sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez les. Et vous trouvez.
retrouver le tout nouveau podcast de l'émission Parlons-nous, couple, amour et sexualité. Et aujourd'hui, après avoir quitté son mari, Enora a peur de succomber. Ah, à nouveau, eh oui. Parlons-nous, c'est ce soir. Gabriel, mets ton casque. Mets ton casque. Je dis mets ton casque. Tu remets ton casque. Ah, mais... On va commencer par quelques personnalités, pas n'importe qui. On commence par le président de la République lui-même. Cher Jean-Jacques, enfant, j'ai été influencé par les personnages que vous avez créés. Mon préféré, c'était Candy Panda. À votre avis, pourquoi j'avais nommé Edouard Philippe? Même si depuis, il ne ressemble plus à un panda, en effet, son apparence est en permanence évolution. Je pense que c'est un Pokémon. En revanche, je ne comprends pas. Avec Chantal, vous n'êtes pas intéressé. Alors pourquoi c'est moi qui ai la garde de cette que j'ai nommé le ministère du Sport? Moi, c'est pas du tout ma cousine. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Le petit peuple du royaume des grosses têtes en un. Heureusement que la noblesse est représentée ici-bas par Jean-Jacques Debout. Cher duc Debout, j'aimerais remercier votre hommage à la peintre Frida Kahlo. Frida qui d'ailleurs, après son accident de bus, avait tout d'un Picasso. Pas très gentil. Voici Paul Mirabel. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune humoriste. Ça va, mais... Gabriel, Gabriel, c'est un numéro. Jacques Jean, wesh, je le kiffe parce que avec sa fameuse champagne au Gabriel, c'est un numéro. C'est l'homme le plus demandé de la Terre. Merci d'avoir fait Booba et passer leur monde parce que j'aurais eu l'air d'un con avec un blaze pareil. Voici Laetitia. Bonjour Jean-Jacques. À vos débuts, vous avez fait les premières parties de Mon Johnny. On n'était pas mariés encore, lui et moi. Ben, moi et vous, hein. Même si ça peut s'arranger. Je trouve que vous avez une vraie beauté de droit d'auteur intérieur. Une vraie beauté intérieure. Peut-être parce que je ressemble à un miroir et vous voyez dedans. Bonjour. Pardon ? Peut-être parce que je ressemble à un miroir et vous voyez dedans. Tu me vois ? Oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a des modés. Une artiste comme au hasard, moi. On ne mélange pas les torchons et les foulards Hermès. Allez, vous pouvez applaudir Marc-François de Legré. Et maintenant, on passe à la valise. Jean-Jacques, debout, donnez-moi, Jean-Jacques, un numéro chance entre 1 et 20. Quel est votre numéro de chance? 8. Alors, vous allez appeler Valérie Mérès, va vous aider à se faire la valise, ou Isabelle Mergaud. Alors, Valérie Rousseau. Allez. Elle habite dans le Nord. Ça a sonné chez Valérie Rousseau. Ah bah, c'était un mélange de moi et de Sandrine Rousseau, c'était quelque chose. Oui. Ah. Ah. Bonjour. Bonjour, bonjour. Valérie, c'est Jean-Jacques Debout. Voilà. Avec Laurent Ruquier, vous êtes aux grosses têtes, Valérie. Voilà. Valérie, ça serait pour connaître le montant de la valise RTL. Et son contenu. Et son contenu, bien sûr. Te calme un peu là. C'est vous qui avez commencé. Oui, mais arrêtez de plier là. Valérie, ah, non, mais... Valérie, non, alors accroche. C'est vous qui avez commencé. Mais oui, non, mais c'est pas à plier comme ça là. Tu me fais mal aux oreilles là. Hein? Tu me fais mal aux oreilles. Oh! Ah, mais vous savez, on ne peut rien dire. Ah, bah pourtant, il monte ses...
de chier là, merde. Hein. Et son contenu, bien sûr. Est-ce que vous le savez? Malheureusement, je n'en ai aucune idée. Ah, 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 vous avez allé le coup de vous rappeler. On va gagner. Vous allez raccrocher. On va gagner du temps comme ça. Hein. Mais, en revanche, on va vous envoyer une montre RTL comme ça. Désormais, vous saurez qu'il est bientôt 18h sur RTL. Merci beaucoup. Et on remercie encore Jean-Jacques Debout qui est venu pour nous présenter son album. Frida Kahlo. À demain, 15h30 pour l'autre grosse tête. Dans un instant, vous retrouvez évidemment Marc-François Blondet chez Julien Cellier. Bonsoir, on arrive effectivement. Restez avec nous dans 10 secondes, RTL. Bonsoir. RTL. Les déménageurs bretons, votre spécialiste du déménagement de particuliers et d'entreprises depuis plus de 50 ans. Les déménageurs bretons, la confiance a un nom. 18h. Sur la table, le gouvernement réclame une enquête et la maman de Samara se confie sur RTL et on va tout vous expliquer. Allez, terminez, tout le monde descend. 15 voitures volées chaque heure en France. Quel modèle, quelle méthode, quel bandit? Un spécialiste décrypte ces chiffres fous. Et après 19h, la deuxième heure d'RTL, bonsoir. Qu'est-ce qu'on ressent lors d'une sortie dans l'espace, lors du décollage d'une fusée? Philippe Perrin, spationaute, notre grand invité, va nous répondre. C'est l'un des 10 Français seulement à avoir vécu en apesanteur. Il y aura aussi de la cuisine, de la musique et puis cadeau, un week-end en famille au Futuroscope à gagner dans le grand quiz de RTL. Bonsoir. Mais là, tout de suite, c'est le journal. 10 minutes pour tout savoir. Il y a demain. Tout le monde descend.
sympa. Ouais. Oui, ça va, c'est juste pour te dire, je sais que tu es là, je vais arriver. C'est juste pour te dire que j'ai mis ton enveloppe là, cette vie là. J'ai cru parce que là, j'en ai quand même pas mal. Et j'ai vu sur mon compte là, tout ce que je lui disais. Tu sais quand je suis allée chez lui, je te rappelle quand je suis allée chez lui. J'ai lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment il m'a augmenté mes charges de 300 euros presque. Et là, il a bien vu qu'il y avait un problème qui ne va pas, d'accord. Et après ce deux ans, il n'aurait que 400 et quelques euros. Ça, là, c'est pas cette année. Là, il va. D'accord. Et quand, là, vous voyez, là, pour les vacances dernières, il a remboursé à tout le monde, tu vois, là, le truc budgétaire, ce qui est resté dans le budget. Et moi, je paye. Tu te rappelles quand tu m'avais dit qu'il allait avoir 400 cette fois, je ne sais pas quoi. Mais j'ai payé. Et quand il avait fait la rigueur, là, j'ai dit au lieu que je paye l'absence, comme il avait fait la rigueur, ça veut dire que je retourne à payer comme je payais avant. Il l'a pas fait. Mais là, j'ai vu que je suis créditeur quand même, pas mal. Et
Bisous. Laquelle? C'est la voie d'avril, là? Bah non, non, là, j'ai regardé, non. Bon, bon, de toute façon, je préfère que ce soit lui qui me doit ou c'est moi qui lui dois. Voilà. Mais quand j'ai vu, franchement, tout ce que j'ai réclamé et que j'avais raison, c'est seulement maintenant et c'est le total. Mais c'est pas grave. Heureusement qu'il avait fait quand même ses comptes parce que j'étais pas bien. Hein. Tout le monde. Tu sais, moi, par exemple, au mois de juillet, j'avais pas. Tous les gens, ils ont un peu moins de leur charge. Moi, j'ai payé, je crois que j'avais payé 1500 euros. J'ai payé. Mais 500 euros le mois de juillet. Ça a été dur quand je partais en vacances. Il y avait chez lui, mais le problème, tout le monde allait à moi. Sauf que moi, ce mois-là, il me dit soi-disant qu'il me l'a remboursé. Je dis, est-ce qu'on va me rembourser? C'était pour l'année d'avant, l'année d'avant. Et en plus, j'ai dit, je reste tout ça à payer, et l'année d'avant, et cette année, au lieu de payer 700, même, disons, je fais 750, pas 900. C'est quand même beaucoup 900. Ah, mais je te jure que je pensais que c'était quelqu'un qui m'a manqué. Il m'a réalisé mon dos. De toute façon, là, on verra bien, là, il a bien vu le remboursement, il était quand même à
appareil, tout ça, moi, je suis pas neutre. Vraiment. Et en plus, il faut que je vienne à l'association pour récupérer un bonnet. Ah oui, je ne sais pas qui. Bon, ben, parce que voilà, on ne savait pas que c'était allé de ma bonnet, ça s'attend de mercredi. Hein. J'ai vu tout le jour, et puis encore un jour. Au revoir, parce que j'ai remarqué.
remarqué ces derniers temps, c'est vous qui fermez les rayons de Jean Courset. Ok. Ouais, merci. Encore, vous serez en vacances la semaine prochaine? Ah, ça veut dire qu'il y aura un nouveau lit, madame. On avait dit, mais c'est pas de demande, c'est mort. J'ai dit, pas c'est mort. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'il y aurait la demande à la dernière minute et. Je sais pas. Parce que ça, c'est sûr, ça fait une parole. C'est sûr. Ça fait la dernière minute. Elle ne sera pas là. Vous voyez? Ça veut dire, elle peut faire la demande lundi. Parce que c'est sûr, elle va changer de service. Je n'ai pas trouvé.
Bien avant, j'avais même essayé de me couper, manger un petit peu. Okay, alors, mange d'abord. Yeah.
Thank you.
Est-ce que tu veux m'ouvrir Vassidi, les mains? Je vois Vassidi. Tu veux lui ouvrir? Je vais lui ouvrir. Mais mets ton manteau, d'accord? Parce que je suis trop froid. Tiens. Ah, c'est énervant. Tiens. Non, mais je te disais, il faut que tu la fasses demain. Les vies du connu, n'oublie pas. Dis que tu te lèves, t'as fait. Mais t'as le numéro d'éducatrice ou t'as pas le numéro tapé de service? En général, tu fais comment? Ah,
si je fais le travail à ma place. Hein. Bon, voilà, d'accord. J'ai appelé déjà ton père, parce que pour savoir s'il y a des gens. Et bien, tu vois, ça me demande, parce qu'il est dit que je suis malade. Et j'ai voulu parler à S.I.T. pour lui. Il a dit oui, oui, il y a tout le monde et tout ça. Ouais. So, bah, après, elle, il va voir comment il va. Il va faire le calendrier. Ou il vient chez toi, puis on vient ici, il repart samedi. Ou bien, elle va le faire partir avant de mettre le monde là-bas. Avant, il ne sait pas possible. Elle va le faire revenir avant. Non. Transmission. Oui, t'es. Oui.